Tres lupos de putz, capa dos, capa tres. Tres lupos de putz, sin vergonya, calandres. Dale de un choc, esta casa junto un putz. Pachi que pachoc, ni custas de Santa Cruz, ya, ya, ya. Alors, je crois que ça n'a échappé à personne. S'il y a bien un terrain de prédilection qui a littéralement été pris d'assaut ces dernières années par le discours raciste et xénophobe ambiant, c'est bel et bien ce vaste champ lexical qui englobe tout ce qui touche de près ou de loin aux différentes manières de désigner la figure de l'étranger en termes de représentation. Qui tu préfères dans les histoires d'Indiens ? Les Blancs ou les Indiens ? Les Blancs. Pourquoi ? Quand on préfère quelque chose, on a des raisons. Pourquoi tu préfères les Blancs? Parce que j'aime mieux ceux qui sont pareils que nous. L'étranger, c'est-à-dire l'autre, celui qui n'est pas du groupe. Étymologiquement, c'est ça. En tous les cas, c'est de cette manière que le mot va faire progressivement son entrée dans la langue française, visiblement, notamment en particulier à partir du XIVe siècle, pour ensuite définir de manière un petit peu plus globale celui qui ne sera pas de la famille, celui qui ne sera pas du pays, et plus tard, celui qui ne sera pas de la nation, dès lors que la nation deviendra un concept dominant en termes d'acceptation politique. À partir de là, eh bien, étranger va avoir le sens qu'on lui connaît de nos jours, c'est-à-dire celui ou celle qui n'a pas la nationalité du pays où il ou elle vit.